Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session, j'espère que vous allez bien. Un petit problème de flux, j'espère que tout est ok pour vous. Merci de me confirmer si le son est ok. Et si l'image est ok également. Ouais, tout est bon? Allez, tant mieux. Alors, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé depuis le début de la semaine. Sur l'ambiance des marchés, c'est toujours la même chose, hein, je ne vais pas revenir dessus. Toujours des tensions sur le commerce USA-Chine, voilà, des craintes sur la mise en place des taxes douanières et puis un peu aussi un essoufflement à des marchés qui ont l'impression quand même d'avoir fait peut-être leur top pour cette année 2017. Il n'y a plus de fuel et donc pour l'instant ça coince un petit peu, même si pour l'heure on parvient à se maintenir à peu près au-dessus de l'ouverture des futurs, hein, sur le DAX. Sur le Dow Jones, le voici le Dow Jones, on est à 25 985, on essaye de sauvegarder les 26 000 mais c'est compliqué, on a quand même bien rebondi depuis la petite accélération là, hein, du début de semaine. Donc pour l'instant il n'y a pas, on est loin du crack, mais on a une petite faiblesse, clairement. Allez, on va aller regarder le calendrier pour aujourd'hui. Donc, on a des commandes industrielles, hein, qui ne sont pas bonnes du côté allemand. Ça commence également là à coincer un petit peu en Allemagne. Commandes industrielles en baisse de moins 0,9%. ADP 163 000. Voilà, donc un peu en dessous des attentes. Les déclarations de chômage, 203 000 en dessous également des attentes. Ça, c'est positif. On aura donc dans 3 quarts d'heure l'ISM non manufacturier, hein, pour les États-Unis. Et puis quelques news, notamment les commandes industrielles qu'on surveillera avant les stocks de pétrole. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire pour aujourd'hui. Pas grand-chose du côté européen. On avait vu ça en début de semaine. C'est assez calme. Alors, est-ce que vous avez fait quelques trades de votre côté? Ouverture américaine dans 15 minutes. Ok, donc bien joué à tous pour ce que vous avez fait. Ici, je vous mets un petit graphique. On va en profiter pour faire une revue, hein, justement, de l'aspect technique. On a quand même cassé une zone de support importante sur le DAX qui est sur cet overlap à 12 150. Voilà, on est assez nettement en dessous, désormais à 12 035 points. On a une belle oblique baissière ici. L'autre overlap important, il est ici. À 12 596, on est sur un graphique quotidien. D'accord? On est quand même toujours... Alors, j'avais cette oblique qui était tracée. Alors, forcément, aujourd'hui, on peut la descendre un petit peu. Mais on est sorti, hein, de cette phase triangulaire ici. On sort par le bas, on casse le support. Je vais vous le mettre, l'autre overlap important, il était ici. Et donc, on va regarder où est-ce qu'on peut aller. On a un beau signal en swing, hein, pour une vente. Il faudra attendre un petit peu un rebond. Mais on a clairement du potentiel et du momentum. Voilà ce que ça donne en 4 heures. Un beau breakout. Idéalement, une vente, hein, vers les 12 150 serait intéressante. On a épuisé pas mal du potentiel, vous le voyez du mouvement ici sur la DXR. Et enfin, quand on arrive en 1 heure, bah, il y a une petite phase d'hésitation là. On se cherche un petit peu après 2 jours en forte tendance. On a corrigé quand même, on était à 12 600 points quasiment. Et on a perdu 550 points sur le DAX. Ça faisait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé. Donc le VIX qui est lui remonté très rapidement, on ira le voir tout à l'heure, l'indice de volatilité. Et si on zoome encore un petit peu sur notre configuration de scalping, on voit qu'on a une séance hésitante, mais une pression baissière qui est clairement en place. À la vôtre. Ok. On regarde le Dow Jones. Vous vous souvenez, le Dow Jones, début de semaine, on voyait ce double top qui s'était dessiné ici sur les 26 050 points, qui est ouvert sur une belle correction. Hein. Lundi, on en a profité d'ailleurs, mardi, pendant le live. Et puis ici, on a un petit rebond, hein, belle résilience des marchés américains qui sont pour l'instant sous cette zone de résistance, 26 050. En cas de franchissement de ces 26 050, on ouvrirait une nouvelle phase potentielle haussière à court terme. Passage sous les 25 890 qui serait un signal de baisse plus marqué pour l'instant. On est toujours dans la zone de range, donc pas de quoi s'affoler non plus. Alors j'ai titré hein, cette session que faire après la baisse. Bah, déjà il faut la relativiser, cette baisse, puisque finalement on corrige, mais si on regarde des graphiques, regardez américains, en quotidien ou encore pire en weekly, vous voyez que la baisse hein, du moment, elle est quand même à relativiser de façon très importante. Ce qu'il faut noter, c'est effectivement toujours cette hésitation. On sent bien que les marchés hésitent, que les marchés se posent des questions. Clairement, aux États-Unis, on n'a pas pris conscience que Donald Trump pouvait passer à l'action face à la Chine. On est surtout sur des intentions pour l'instant, mais on n'avait pas réellement pris en compte qu'il allait aller au bout de ce qu'il disait. Aujourd'hui, les marchés sont un peu suspendus au tweet de Donald Trump pour savoir s'il va vraiment imposer des taxes sur les 200 milliards, comme promis, hein, de produits chinois. On a des tensions, vous le savez, en Turquie, en Syrie, évidemment. Donc ça rajoute un petit peu à l'angoisse, voilà, hein, à l'ambiance un petit peu tendue géopolitique. Et puis on a la Chine qui ne se laissera pas faire face aux États-Unis. Et au milieu de tout ça, on a une Europe assez absente. Une Europe assez absente parce que déjà on a un président de l'Union Européenne qui est quand même loin d'incarner ce qu'il devrait incarner. Et de l'autre parce qu'on a des problèmes internes, hein, tout simplement, même si on a une phase d'accalmie. L'Italie était d'ailleurs la seule place hier un petit peu surnagée, tout simplement parce qu'on a vu une accalmie du côté des craintes sur le budget 2019. Et bien là, pour l'instant, ça reste quand même très tendu. Brexit, Italie, hein, on est quand même sur, disons, des séquences qui ne sont pas très confortables pour l'Union Européenne et qui ne permettent pas à l'Union Européenne de rayonner et d'avoir un poids sur la géopolitique. À noter, je vous en ai déjà parlé également, mais le Qatar hein, qui va investir 17 milliards de dollars en Allemagne. Et donc, des marchés qui, toutefois, ne trouvent pas de quoi se relayer. Il faut dire hein, que les chiffres de ce matin sont quand même très mauvais pour les commandes industrielles allemandes. L'immobilier aussi hein, qui inquiète un petit peu. On voit qu'il y a vraiment des forces sous-jacentes un peu décevantes dans l'immobilier, alors que ce soit en France, en Europe, mais aussi un petit peu partout, comme au Canada, avec les permis de construire en net recul. On attendait une hausse de 1,3%, on se replie de 0,1%. Ça fait quand même un gros écart. Et l'événement du jour, hein, c'est évidemment cette tribune anonyme qui a été publiée aux États-Unis face à Donald Trump hein, par quelqu'un qui est à l'intérieur de l'administration Trump qui a appelé à faire de la résistance. Donc c'est le scandale du jour du côté américain. Allez, 15h21, 9 minutes avant l'ouverture américaine. Avez-vous des questions sur les dernières sessions? Vous avez eu les replays, je les ai mis sur le blog, je vous ai les envoyés par courrier, je les ai mis sur Twitter et Facebook. Twitter restant le moyen le plus sûr d'avoir de mes nouvelles. Je vous invite à vous abonner. Et donc, on va faire un petit point sur la situation après l'ouverture américaine. Donc voilà, pour répondre à la question que faire après la baisse, c'est surtout rester zen, ne pas racheter forcément, alors je parle là plutôt pour du swing trading ou pour des investisseurs actions et à moyen terme, on ne se jette pas sur les premiers supports pour racheter, on est déjà assez haut, donc il faut être prudent, les marchés s'essoufflent clairement, commencent à douter, commencent à vraiment se poser question sur la capacité des actions à maintenir leur rythme pour les années qui viennent. Et donc, forcément, ça nous offre une petite session d'hésitation. Bonjour à tous, bienvenue. Pour les traders à plus court terme, là c'est un peu plus sympa parce qu'on a de la volatilité qui revient. Alors on travaillera bien sûr toujours plutôt la tendance court terme, donc là à la vente en l'occurrence. On va attendre que les supports se dessinent. 12 000 points va être une zone importante, on les a testés. Évidemment, on a bien rebondi et on retourne les tester. Là, on va peut-être avoir une session assez intéressante cet après-midi. Du côté du Dow Jones, je vous l'ai dit, on est dans une zone un petit peu neutre qui ne rend pas les choses très simples. Le CAC 40, 5270 points qui a cassé les zones dont je parlais tout l'été sur BFM, 5280 points. Voilà, on est en train de casser cette résistance. La clôture du jour va être encore importante. À noter, tant que j'en parle, je serai demain matin sur BFM Business pour le match des traders. Et je ferai également un petit point de marché à 11h30. Donc voilà. Comme je sais que vous êtes des millions à attendre mon intervention dans le monde entier. Vous êtes prévenus. Allez, 5 minutes avant l'ouverture. Est-ce que tout est OK au niveau du son et de l'image? Vous me le confirmez, j'ai des petites coupures de mon côté. Alors, j'ai une question de Brendan qui me demande quelle est la DX. Alors, la DXR, c'est l'indicateur que vous avez au milieu de l'écran ici, qui est un dérivé de la DX et qui me sert à évaluer le potentiel d'un mouvement et la force d'un mouvement. Voilà, tout simplement. Avec toutes les limites de l'analyse technique. Allez, c'est intéressant. On a une zone ici, regardez. Importante sur 12 025 points. Allez, alors pour les scalpers invétérés, je vais chercher à travailler un retour en zone 50 ici, c'est-à-dire une vente à peu près dans cette zone sans doute. Qui me demande, penses-tu que Trump pourrait se retrouver comme Nixon à son époque du Watergate et ne pas finir son mandat et être obligé de démissionner? Et quelles conséquences sur les marchés? Alors je pense que ça c'est une vision très européenne des choses parce que Trump on le voit comme un danger, on le voit comme un fou furieux, ce qui est pas loin d'être vrai, sauf que les Américains ont voté pour lui et qu'aujourd'hui ce que Trump fait c'est ce qu'il avait dit. Et qu'il a été élu pour ça, et que la moitié des Américains ont voté pour ça. Donc obligé de démissionner, sincèrement, aujourd'hui, pas de raison. Par contre, qu'il y ait une alternance avec les élections de mi-mandat et un affaiblissement du pouvoir, ça c'est clair. Mais mais pour moi aujourd'hui, il n'est pas forcément si en difficulté que ça. Voilà. Après, pour savoir la conséquence sur les marchés, je dirais c'est jamais très bon hein, d'avoir une faiblesse et un manque de visibilité. Donc de toute façon, dans tous les cas, des élections et un président qui démissionne, comme le dit Gilles, hein, et comme je l'ai déjà maintes fois répété ici, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Donc ils préfèrent avoir une faible visibilité, mais avec un président élu Trump, que des élections et un clivage, et donc de l'indécision. Allez, 2 minutes avant l'ouverture américaine. Coup d'œil sur le dollar index 95, hein, il continue de remonter un petit peu, même si l'euro s'est bien repris, hein, l'euro dollar 1,1630 qui avait eu un petit coup de moule en début de semaine. Il était revenu sous les 1,1550 et là il se reprend bien avec un bel overlap là, qui travaille à 1,1653. La cassure de 1,1653 ouvrirait sans doute un potentiel haussier. Voilà pour le DAX. Allez, on va regarder le Dow Jones. Une minute. Et c'est parti, c'est plutôt la baisse qui l'emporte pour l'instant avec les 26 000 points qui sont un peu challengés là. Et c'est pour l'instant très très calme. Allez, je vais vous mettre dans un coin. Je vais vous mettre en plus petit. Mais la carte ici du S&P 500, voilà, qui montre un peu toutes les... les valeurs. Pour l'instant, ça se met pas trop à jour. C'est à l'équilibre. On regardera ça tout à l'heure. Vous remarquez que je prends plus le temps de répondre aux trolls. Hein. Ça me fatigue. C'est-à-dire que sinon on va en avoir 50 des messages, Rémi, donc ça va être compliqué. Allez. Et c'est la hausse qui reprend sur le marché. Et on repasse au-dessus des 26 000 points. Alors regardez ici la vision en 15 minutes, en 30 minutes. Oui, c'est en grande partie automatique, hein. Il n'y a pas que moi qui censure. Et c'est le rebond, là aussi sur le DAX. On va laisser vivre, hein, comme le disait Gilles, un petit quart d'heure avant que les choses se calment un petit peu. Rémi, chacun son avis, mon ami. Mais crois mon expérience. Ça fait perdre du temps à tout le monde, tout simplement. Allez, le Dow Jones – 26 010 points, le S&P qui va tranquille également aujourd'hui. Bon, c'est calme, hein, pas grand-chose. Et ça part à la baisse. Vous voyez, à l'importance d'attendre aussi pendant les moments d'ouverture. Regardez cette mèche qui est laissée pour l'instant par le Dow Jones. Important de patienter. On jette un coup d'œil sur le Bund allemand. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite revue de ce support. On avait un canal ici hein, avec des zones importantes à 160 et 164. On navigue autour des 160. Là, vous voyez, on est revenu dans cette zone qu'on avait identifiée il y a déjà un paquet de temps. Hein. C'était au printemps dernier. Eh bien, elle joue à nouveau son rôle ici. Et donc, la rupture des 159,80 qui pourrait être intéressante à travailler ici. Et donc, vous voyez hein, tout de suite de l'inquiétude qui met la pression sur les taux. Au point près, hein, sur le support à 12 020 points. Ouais, pile, Serge, effectivement. Pas de soucis. Voilà, voilà. Si un jour on fait plus de live, vous saurez pourquoi. Hein. Il y a des jours comme ça. D'où l'idée de réserver hein, les lives d'ailleurs aux clients ActivTrades. Ça permettra de filtrer un petit peu. Allez, casse sur les 12 020 points. Ça, c'est intéressant par contre. Beaucoup plus intéressant que le reste. Et on regarde la bougie 15 minutes sur le Dow Jones qui est toujours en train d'avoir un beau price action ici. Alors je vais aller voir si c'est mis à jour un petit peu. C'est toujours très calme. C'est en fait une carte. Hein, selon les secteurs qui sont en hausse ou en baisse, ça nous permet d'identifier quel type de marché on a. Est-ce que c'est les technos qui montent? Est-ce que c'est les cycliques, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous l'avez sur FinWiz. Je vous mets ça ici. C'est gratuit. Bon, pour l'instant, pas grand chose hein, qui se passe. On est toujours sur les zones d'ouverture, donc là c'est calme. C'est ce qui va se passer, Antoine. Malheureusement pour les autres qui aimaient bien. Allez. Alors, le calendrier qui se met là, ça est intéressant. Ce retour du Dow Jones sur le test des 26 020 points. Le DAX, lui, clairement, il peine un petit peu. pression hein, depuis la publication des chiffres de commandes industrielles ce matin. 12 020 points. Alors pour ceux que ça intéresse, hein, mais je publie les articles hein, et je fais un journal de trading où vous pouvez suivre tranquillement les résultats. Donc voilà, sachant qu'on n'est pas là non plus pour tout comparer à tout moment. Ce qui explique que je ne perds pas de temps avec le reste. Par exemple, concernant ce petit compte que vous avez ici, voilà l'évolution. On est à plus 12%, sachant que je l'ai assez peu tradé finalement cette année. Hein. J'en suis à les 160 trades. Bon, c'est pas non plus dingue. Hein. Voilà, et vous avez ici, ils ont même modifié, hein, ils ont fait un petit graphe représentatif. Donc ça, c'est assez intéressant, parce qu'on voit plus rapidement comment notre performance est répartie. Voilà, assez intéressant. Allez, tentative de cassure sur le Dow Jones. En ce qui me concerne, j'ai pas grand chose à faire dans cette configuration là. J'ai vraiment pas de signal. Il faudrait une clôture quotidienne au-dessus de cette zone hein, pour aller chercher du potentiel. Même si ce breakout il est tentant là, forcément. Ouais, là, on a une belle cassure qui se profile. Malheureusement, non, Antoine, j'ai vraiment pas le temps de relancer des clubs partout en France, mais on va venir faire quelques séminaires hein, et conférences. On sera à Paris, Lyon et Nice pour cette fin d'année et sans doute 3 nouvelles villes de l'autre côté de la France en début d'année prochaine. C'est toute la question, Alain. C'est pour ça que je n'y vais pas, parce que je me méfie quand même. La pression, elle est plutôt à la baisse. Et regardez, hein, sur le Dow Jones, là, récemment, en début de semaine, on avait cette zone qui avait initié la vague de baisse. Donc, c'est un peu risqué, à mon sens, d'y aller maintenant. Je préfère attendre une confirmation daily dessus. Allez, on va faire une petite revue Forex. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'eurodoll, on a une configuration de rebond, malgré un petit moment de faiblesse. Hein, en début de semaine, là, on est venu chercher les 1,1540, une belle zone de support. Si je dézoome un peu, ça nous donne une belle zone ici de repère. Voilà, qui a bien fonctionné. D'accord ? Donc, quand on regarde en daily, pour les swing traders, on a quasiment ici un signal d'achat qui est en train de se dessiner avec Market Impulse. Donc, surveillez, prenez le temps, mais peut-être un petit signal d'achat sur l'eurodoll à venir. À court terme, un peu plus délicat pour l'instant. Mais payer un petit repli sur les 1,16, pourquoi pas ? Ensuite, on va aller faire la livre sterling. Et je reviendrai sur la carte du S&P. Voilà, livre sterling en intraday, voilà ce qui se passe, hein, beaucoup d'hésitation toujours. Alors c'est toujours une paire très politique forcément avec le Brexit. Là aussi, peut-être un petit rebond possible dans la zone, mais ouais, comme depuis plusieurs mois, je reste plutôt à l'écart de la livre sterling. Hein, je trouve que c'est toujours très dangereux de la travailler. Dollarienne. Alors dollarienne, hein, il est dans une configuration de vente sous les, alors ici, sous les 110,66, je chercherai à vendre le dollar yen très clairement. Là, il y a, pour moi, il y a une belle opportunité en cas de cassure. J'essaye d'être concis et de faire simple. Je regarde rapidement. Regardez, belle bougie haussière. Et le Dow Jones, bah, finalement, à la cassure, c'était pas mal. Voilà, déjà 20 points. On va regarder en une heure au moins, voir ce que ça donne. Et donc on est de retour, hein, dans la zone que je surveille pour un retour en zone 50. Sachant que là on a quand même une très très forte impulsion, donc on va patienter et attendre un beau price action pour pouvoir entrer à la vente. Si on veut y aller, bien évidemment. Donc USDCAD en daily, pas grand chose. En une heure non plus. On a vraiment un range ici, hein. Range très marqué. En une heure, on a été tapé 1,3206, on a un support 1,3150, 50 points là, hésitation, on a un aplatissement des moyennes mobiles, donc patience aussi, vous voyez les indices qui retombent là, hein, fin de potentiel, prudence. J'ai bien visé avec ma cible. Voilà, on va regarder ce qui se passe maintenant dans la zone. Euro GBP en une heure, pas grand chose. Bon, c'est assez hésitant là aussi. Livre sterling, je reste plutôt à l'écart. Sur l'euro a eu des très très beaux rebonds et très forts rebonds, hein, en rythme daily. En une heure, bah, vous le savez, je surveille une zone de vente mais qui n'est toujours pas pour l'instant touchée. Donc pas grand chose à faire, mais de rien Molim, avec plaisir, merci pour ton message. Voilà, on a une espèce d'overlap et on a la moyenne mobile 100 ici vers les 1,6140, 1,6130, il faut les surveiller, mais pour le moment ça ne veut pas céder. Dollar australien, là on a un signal d'achat en une heure. Et on a un beau signal d'achat en une heure que je n'avais pas vu pour tout vous dire. Et je vais y aller. Allez, on va essayer de tenter cet achat ici. Alors ce sera pour du day trading, donc on gardera sans doute un petit peu pendant la nuit. Allez, je vais payer le dollar australien ici, voilà, à 0,72. Là, on a deux appuis sur la MM100, mais on a les moyennes mobiles rapides qui se contredisent un petit peu. L'euro yen, c'est pas gagné. CHF, pas grand chose à faire non plus. AUDN non plus. Euro NZD, hein, il faudra aussi comme Euro UD le surveiller. Il revient, il s'aplatit un petit peu, il cherche, mais il faudra regarder en cas de cassure ici. Donc c'est vraiment cette zone là, des 1,7616. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. LZD, USD. Bon, il y a un signal avec un peu plus poussif qu'USD. à suivre dans les prochaines heures. Donc un long dollar australien pour cet après-midi à suivre. Ici, regardez, un petit moment d'hésitation hein, dans la zone que l'on avait visée. Alors, je n'ai pas encore un super signal. On va regarder ça. Allez, il reste une petite minute à peine. Donc, je reviens sur la map 5 que je vous ai partagée tout à l'heure. Ben, en fait, hein, ça vous montre tout simplement par secteur. Quand c'est rouge, ici, on voit que les services d'information Google et Facebook, c'est en baisse. On voit ici, par contre, que tout ce qui est télé, comme Netflix, c'est dans le vert. La taille du carré dépend de leur capitalisation, bien sûr. Amazon, 0,11. Voilà, c'est un peu hésitant, donc... Bah là, typiquement, quand on regarde cette carte, on voit tout de suite bah, qu'on n'a pas non plus énormément de panique ni de volatilité. On n'a que du côté des semi-conducteurs où c'est vraiment rouge, moins 4. Ici, du côté semi-conducteurs également, hein, voilà, c'est ceux-là qui sont sous pression. Un peu normal, hein, les taxes douanières qui les touchent de plein fouet. On a ici, on a des cas un petit peu particuliers, mais dans l'ensemble, on voit que c'est équilibré. On a quand même du vert, pas du vert fluo, mais du vert normal. On a Netflix, donc plus de 54, hein, qui n'arrête pas. Donc voilà, on voit qu'on a un marché équilibré. Ouais, il n'y a pas... c'est assez neutre, hein, en fait, ni rouge, ni vert. On est quand même plutôt bien réparti, et la preuve, c'est que le Dow Jones, il est... le S&P 500 pardon, voilà, il est toujours au niveau si on regarde, alors c'est le futur hein, mais on est vraiment à l'équilibre, très peu de volatilité. Allez, on va surveiller cette zone, je vous le disais, la zone 50 ici sur le marché qui pourrait jouer son rôle. On va surveiller ça et on va voir comment ça se passe. On est dans la grosse zone de résistance, hein, vous voyez ici, pour le Dow Jones. Donc, on va regarder si on a à nouveau une réaction. Alors, je vous montre AUD/USD sur lequel je suis rentré à l'achat. On y retourne. Voilà, ici, hein, on a une configuration Market Impulse. On voit bien ici, divergence mise en place. Hop. Donc, RSI, zone de signal sur la DXR, des moyennes mobiles qui nous donnent la configuration que l'on cherche. Cassure tout à l'heure sur une impulsion. On a un beau price action. Si on zoome un petit peu ici, voilà, ça me suffit, je le tente à l'achat. Et regardez, la zone, elle travaille bien, sur le DAX en tout cas. Effectivement, Antoine, c'est ce qui rend difficile un peu là, la prise de position sur les marchés, qui est très politique. Et le moindre tweet de Donald Trump peut faire un peu monter la volatilité. Voilà pour la caméra. Beaucoup d'hésitation hein, sur cette ouverture et accélération au niveau du Dow Jones qui vient chercher hein, ma zone de résistance et qui va remettre en cause. Donc vous voyez, je vous le disais hein, en introduction, la résilience des marchés américains elle est plus que jamais encore valable. Et donc ben, voilà, on trouve des raisons de se rassurer un petit peu et on bondit. Alors que le gouvernement américain menace d'arrêter les paiements pour l'OTAN. Ok, alors l'O2USD pour l'instant qui se laisse attendre, mais c'est un trade hein, qu'il va falloir conserver un petit peu. On a notre stop ici sur le Bund, ça bouge pas beaucoup, bon pas grand chose hein, à faire. Voilà, on est repassé au-dessus de la zone 50, donc on a des raisons de pas trop s'affoler hein, sur cette vente quand on a vu. Quand on a vu la poussée là sur le Dow Jones, hein, il ne fallait pas insister trop à la vente sur les indices. Bon voilà, on est sur une journée de transition a priori. Demain les NFP, hein, je vous le rappelle, donc c'est toujours un moment un peu particulier, même si finalement ça ne donne jamais vraiment une grande tendance derrière. On est toujours en train d'attendre les NFP. Donc pour aujourd'hui, voilà, on va consolider un petit peu. Peut-être finir avec même un léger rebond sur les places européennes par rapport à hier. Mais on ne va pas aller chercher grand-chose de plus a priori. On va encore rester ensemble un petit moment, mais ça ne va pas être une session passionnante. Hein, pour le coup, ça devrait rester très, très fermé. OK. Bon. Oui, il y a un peu de volatilité, pas forcément de tendance, mais un peu de volat. Mais pas grand chose à dire pour aujourd'hui. Voilà, on va sans doute se tenir un petit peu par là, en tout cas en début de session. Allez, bon, bah écoutez, on va se le faire tranquille hein, pour aujourd'hui. Effectivement, pas grand chose à signaler. Et puis voilà. Même le dollar australien, il ne bouge pas énormément. Le DAX vient se rappuyer. Non, sur le pétrole, on peut les regarder hein, d'ailleurs. Il y a aussi un essoufflement. Hein. On est en train d'avoir un petit moment d'hésitation en daily et en 1 heure. On est passé dans un profil plutôt baissier. Alors avec assez peu de dynamique finalement, mais un profil baissier quand même. Alors que vous voyez le dollar australien qui passe en positif. C'est pas violent, hein, mais pour l'instant, on est dans le... bon mouvement. Prochain rendez-vous, ce sera mardi en live, en vidéo, mardi matin. Et sur le blog, sans doute demain. Alors demain matin, je serai sur BFM Business, donc à 10h30 pardon, et 11h30. Je vous posterai sans doute un petit suivi du compte si j'ai fait des choses, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Je ferai un petit suivi de dollars australiens et on se retrouvera tranquillement mardi matin pour une session en direct. Allez, on va attendre la fin de la chandelle là, mais une petite réintégration de box. Salut Dan, bonne journée, on va pas tarder de couper hein, de toute façon. ce sera 10h30 et 11h30 sur BFM. Vous voyez la hésitation, hein, parce qu'on repasse sous zone 50. Donc c'est pas vraiment exploitable comme, comme configuration pour moi. Voilà, le seuil de résistance qui fonctionne, hein, à peu de choses près sur le Dow Jones. Vous êtes donné le mot aujourd'hui, hein. Mais c'est bien tenté, hein. Tout le monde y a cru, Sébastien. Pas de souci. Allez, un short pour allez, on reprend donc... Un short pour Serge, bien joué, bien tenté. Non mais Gilles, je pense qu'on a affaire au même, hein, que les deux premières fois. Ne t'affole pas. Mais bon, c'est dommage. Il y a un truc magique, hein, avec Twitter, avec YouTube et avec Facebook, c'est que vous n'êtes pas obligé de venir. Donc je suis toujours très étonné de voir des gens qui se plaignent mais qui reviennent. Ou alors c'est qu'ils viennent juste parce qu'ils ont un intérêt à venir critiquer. Mais je ne veux pas croire que des gens qui ne sont pas contents de ce qu'on fait viennent quand même sans être contents. Vous voyez, il y a une cohérence à un moment donné qui fait que ce n'est pas crédible. Donc voilà, c'est juste le petit message, je ne vais pas en faire plus. Mais enfin, réfléchissez 2 secondes avant de faire des trucs, quoi. Je veux dire, si quelqu'un n'est pas content, il ne vient pas. Mais il ne perd pas son temps à venir critiquer s'il n'y a pas un intérêt commercial derrière. Voilà. Mais je vous aime quand même et je vous fais des bisous, hein. Et puis en plus, j'ai montré mon compte en direct. Voilà. Alors que j'en ai pas beaucoup qui m'ont envoyé leur track record en réel. Mais c'est toujours un plaisir. Salut Aurélien. Tendu, hein. Ouais, voilà. Si on a un petit retour en zone 50, oui. Why not? Mais là, ça accélère bien. On a une belle poussée. Voilà, cette ouverture, elle était vraiment très hésitante. Et finalement, c'est la baisse qui reprend. Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous vous êtes donné le mot aujourd'hui, hein? Ça va devenir compliqué, hein. C'est la rançon du succès, mais je suis sûr que parfois il faut vraiment avoir envie. Hein. Allez, c'est pas grave, on reste positif quand même, on va pas se prendre la tête. Trump vient d'envoyer un tweet. Ah, bah c'est ça qui m'intéresse. Ah, c'est un peu tard pour shorter désormais. Effectivement, pour l'instant, et regardez, là aussi, sur le Dow Jones, quelle hésitation, une bougie hein, jumelle de la hausse qui vient de se faire. On ne sait vraiment pas où elle est là, ce soir là. Vraiment très, très hésitant. Et le CAC 40, lui aussi, qui revient dans la niche, hein, dans la box. Ouais, ça sent la journée qui va se finir dans la box. Peut-être que le DAX, lui, il a quand même un peu de potentiel à la baisse, hein, avec les mauvais chiffres du jour. Ça peut partir. Il est parti pour traverser la box en direct, hein, notre ami le DAX, là. Et les 12 000 points qui sont cassés. Ah, commence à être sérieux. Donc la rupture hein, du bas de la box, ce sera potentiellement un signal également. Alors moi j'aimerais bien un petit rebond hein, sur une résistance pour reprendre à un meilleur prix. Mais effectivement, il y a du mouvement pour l'instant. Bon, moi je vais laisser courir à AUD/USD, vous voyez, qui tourne toujours autour de l'équilibre depuis tout à l'heure. Le DAX, bon, pression baissière, ça c'est clair. Allez, sur le bas de la box, hein, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors là, c'est intéressant, c'est d'aller voir un petit peu avec du recul sur un graphique 1 heure par exemple. Et on se rend compte qu'il y a longtemps qu'on n'était pas venu sur ces zones. Voilà. Et donc, attention. Ça pourrait devenir un peu plus sérieux qu'on ne le pense. Alors les ISM non manufacturiers, hein, qui viennent d'être publiés. Je vais chercher le résultat ici. Ben, ça ne vient pas d'être publié, c'est à 16 h, hein, d'ailleurs, je les ai un peu zappés. Qui est supérieur aux attentes. Hein. On a des commandes industrielles en baisse par contre. Et le dollar australien qui rebondit. Ok, allez, en ce qui me concerne, je vais en rester là pour aujourd'hui. Bon, c'était un début de session pas très passionnant, faut bien le reconnaître, avec pas mal d'hésitations sur l'ouverture américaine. Gardez en tête qu'on a les NFP demain qui vont amener un peu de volatilité, donc il faut toujours se méfier. Du côté de l'eurodoll, on surveille également car on a potentiellement un petit quelque chose à la hausse, hein, rupture des 1,1650 qui pourrait être intéressant. Et on a un beau petit signal en daily qui colle aussi avec cette rupture, donc à surveiller. Du côté des indices, le DAX qui revient sur des plus bas, hein, quasiment voilà, depuis le début d'année en fait, hein, tout simplement. Alors pourquoi il ne me donne pas l'historique? J'ai un historique un petit peu court. Pas grave, enfin bref, voilà, on revient sur des zones, alors pas le plus bas de l'année évidemment, mais sur des zones quand même complexes et importante. Voilà, notamment ici, vous vous souvenez, en début d'année, on avait été chercher les 11 750 points qui seront à surveiller. Et on y va, hein, sur le bas de la box. En rupture de bas de la box, hein, je le tenterai sans doute en fin de journée si on devait le casser. Allez, je vous souhaite à tous une très très belle journée, les 4 h 30. Je vous souhaite une belle fin de séance. Surveillez la clôture européenne, hein, il pourrait y avoir pas mal de mouvements ensuite. Avec les États-Unis qui auront la main seuls. Je vous souhaite à tous évidemment une bonne fin de semaine. On se retrouve mardi matin pour une nouvelle session, un nouveau briefing hebdo. Et puis surtout, bah, bon trade à tous. Allez, ciao, salut, portez-vous bien.